résultats des examens scolaires sont connus depuis la semaine dernière. Pour éviter tout dysfonctionnement, les acteurs sont en formation au lycée professionnel et commercial de Yokubon. Recensement général de la population, 400 leaders viennent de bénéficier d'une formation en vue de sensibiliser les membres de leurs communautés respectives. Avec 61,90% des voix, José Mário Bas remporte le second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Des résultats provisoires publiés aujourd'hui par la Commission nationale électorale. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur RTI2. Tout d'abord, en bref, le grand oral aujourd'hui du ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko devant les députés. Le Parlement examine le projet de loi sur la réforme de la Commission électorale indépendante CEI. Il s'agit de la deuxième mouture. Dans ce nouveau texte, la future Commission électorale indépendante passe de 13 à 17 membres. Les dates des examens scolaires sont connues depuis la semaine dernière. Les premières épreuves sont prévues, on le sait, à partir du 27 mai avec le CPE. Aucun candidat n'aura le droit de sortir de la salle avant le temps imparti. Justement, pour passer le message et pour éviter tout dysfonctionnement, depuis ce matin, les surveillants de salle et les directeurs de centre suivent une formation. Elle se déroule au lycée professionnel et commercial de Yopougon. Laetitia Mwangli. Moins d'un mois pour que les connaissances des élèves du primaire et du secondaire soient évaluées au cours des différents examens et concours. Et généralement à pareille période, fraude, erreur ou encore tricherie sont les maîtres mots. C'est pourquoi la direction des examens et concours veut cette année tuer le mal à la racine. Un séminaire de formation à l'attention des acteurs des examens et concours se tient du 20 au 21 mai. Quand vous dites que vous êtes commissaire, qu'est-ce que le commissaire doit faire pendant les examens? Quand vous dites que vous êtes harmonisateur, quel rôle doit jouer l'harmonisateur au sein de toute cette machine organisationnelle que nous avons mise en place? Donc c'est pour que chaque entité puisse trouver sa place au sein de l'organisation et comprenne son fonctionnement en tant que tel. Une démarche qu'apprécient à sa juste valeur les séminaristes qui disent toutefois s'impliquer pleinement au bon déroulement des examens et concours session 2014. Avant, il y avait quelques incompréhensions. Chacun n'était pas à sa place. Mais je pense qu'avec ce séminaire, on pourra mieux harmoniser nos travaux. Quels acteurs pour une organisation réussie des examens et concours? C'est le thème autour duquel graviteront les échanges entre acteurs du système éducatif au lycée professionnel et commercial de Yopougon. La formation, il en est encore question, mais cette fois dans le cadre du recensement général des populations. Les séances de formation se multiplient grâce à l'ILCI, l'Initiative libérale de Côte d'Ivoire. 400 leaders viennent d'être formés sur le sujet. Ils devront ensuite sensibiliser les membres de leur communauté respective en leur expliquant l'importance de cette opération qui permettra en outre au gouvernement de planifier notamment la construction des infrastructures sanitaires et scolaires. Comme Moulaï Polin des 18 montagnes, 400 leaders d'opinion ont compris l'enjeu du recensement général de la population et de l'habitat grâce à une formation initiée par le président de l'Initiative libérale de Côte d'Ivoire, ILCI, Sé Koulibaly. Je suis venu aujourd'hui pour participer à ce séminaire que l'ILCI a organisé. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je sais aujourd'hui que le recensement est une opération qui va avec tous les Ivoiriens. Le président saura qui est où, qui fait quoi. Et ça va faire un bon planning pour le pays. Chaque leader mènera des actions de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat sur le terrain. En tant que leader d'opinion, il s'agira pour nous de traduire cette formation sur le terrain, investir véritablement, n'est-ce pas, les couches sociales dans les marchés, partout où véritablement les populations ont besoin de formation et de compréhension des actions du président de la République. Selon Idara Mamadou, parrain de l'événement, le recensement n'est pas une action politique, mais plutôt un axe de développement qu'il faut soutenir. Cette action qui est une action majeure, qui dans les 5 années à venir vont impacter un peu tout notre environnement de vie. Dans les 5 années à venir, s'il y a une école qui est construite dans notre contrée, cela va se dire qu'elle sera construite sur la base des informations qu'on aura accueillies aujourd'hui. D'où l'importance, l'enjeu de ce recensement. Sé Koulibaly a pour finir sensibilisé les partisans de l'opposition à prendre le train en marche. Le président de la République a toujours tendu sa main et la main demeure toujours tendue. Et nous demandons à nos frères de mettre en avant l'intérêt collectif, l'intérêt de leurs concitoyens et de nos concitoyens afin que la Côte d'Ivoire, une indivisible qu'on a connue sous Fouet, soit en 2017 la troisième puissance africaine.
Et on évoque à présent cet hommage au professeur Harris Memel Fauté, l'ex-président de l'Académie des sciences d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD et de l'Académie universelle des cultures s'est éteint, on le rappelle, en mai 2008. Hommage lui est rendu depuis hier à travers une exposition photo retraçant le parcours de cet éminent homme de culture. Séphora Zeghi et Laetitia Manglé. Anthropologue, professeur, maître, formateur et guide, Harris Memel Fauté a transformé la vie de ses concitoyens et amis, notamment ceux de l'ASCAD et de la fondation qui porte son nom. Un hommage lui a donc été rendu ce 19 mai à l'occasion de la commémoration de la date anniversaire de son décès. J'ai eu, je dirais, le privilège d'avoir été l'étudiant de Harris Memel Fauté des années 1967 à 1970. Avec lui, en peu de temps, on apprend beaucoup. Beaucoup sur notre discipline, beaucoup sur l'homme et beaucoup sur les méthodes des sciences sociales. Memel a été pour nous un aîné, c'est-à-dire ce sont eux qui nous ont dévassés. On peut dire que ce sont eux qui nous ont un peu tracé le chemin. 6 années après sa disparition, la Fondation Memel Fauté veut raviver la flamme de ses œuvres à travers une exposition photo qui retrace le parcours de l'illustre homme de culture. Un grand homme de culture, attaché à sa culture traditionnelle, attaché aussi à promouvoir la modernité, qui a beaucoup fait pour former de nombreuses générations d'intellectuels ivoiriens. Donc il mérite, comme d'autres, qu'on lui rende hommage pour sa grande contribution au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Des parures, vêtements et objets personnels ayant appartenu à Memel Fauté ont fait l'objet de cette exposition. Des conférences, témoignages et films vont se succéder afin de rendre hommage à cet éminent professeur. La coopération bilatérale décentralisée, une réalité tangible entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a pris part à la 14e édition de l'association de la municipalité du Burkina Faso. La structure est l'équivalent de l'UVICOSI. Gilbert Kafanakone était l'invité spécial de ce rendez-vous. Franck Wadio. Initié par l'association des municipalités du Burkina Faso, les journées de la commune à Burkinabé sont un moment de rencontre pour l'ensemble des élus locaux. L'objectif de ces journées est de faire connaître par les populations, les pouvoirs publics, la société civile et les partenaires au développement, l'institution municipale, l'état des lieux de la gouvernance et le processus de décentralisation. Gilbert Kone Kafana, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, salue cette coopération établie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire souhaite établir avec l'Association des municipalités du Burkina Faso un cadre de coopération durable et fructueux. Nos deux pays sont intimement liés, aussi bien au plan géographique, économique que du point de vue de l'histoire. Et nos gouvernements nous montrent chaque jour le chemin à travers plusieurs actions dont les plus mémorables sont les conseils des ministres conjoints tenus alternativement à Ouagadougou et à Yamoussoukro. L'UVICOSI est créé depuis le 6 juillet 1983. Elle compte à ce jour 198 communes. Elle se veut une fêtière pour établir et développer des liens de solidarité entre les villes et les communes de Côte d'Ivoire. Elle était très attendue hier, cette allocution du président malien Ibrahim Boubacar Keïta après les attaques de Kidal. Dans son discours à la nation, le président malien a dénoncé les crimes odieux commis dans le nord-est où une trentaine de personnes ont été tuées le week-end dernier dans des combats entre soldats maliens et des groupes armés. Un calme précaire règne à Kidal, 72 heures après les violences qui ont émaillé la visite du premier ministre Moussa Mara dans le fief des rebelles Touareg du MNLA. Dans un message diffusé à la télévision publique, le président malien hausse le ton. Je vous fais le serment que ces crimes odieux ne resteront pas impunis, Inch'Allah. Ils sont qualifiables de crimes contre l'humanité. Personne ne prendra le Mali en otage, personne. Comme son premier ministre dont il salue le courage, Ibrahim Boubacar Keïta dénonce la collusion entre les combattants du MNLA et les groupes djihadistes Hakmi, Ansar Dine, Mourabitoun, Moudjao, de retour dans le septentrion malien.
Mais le chef de l'État demeure ouvert au dialogue avec les mouvements armés du Nord Mali. Nous allons donc au dialogue. Convaincus que nous sommes que le salut passe impérativement par là. Le salut, si bien entendu, toutes les parties. Le gouvernement du Mali, la communauté internationale, les mouvements armés s'acquittent de leurs engagements. La poursuite du dialogue entre le gouvernement du Mali et les mouvements armés du Nord, c'est aussi la position que défend la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La MINUSMA a confirmé lundi soir la libération de la trentaine de fonctionnaires maliens pris en otage par les rebelles du MNLA. Mais la passivité de la mission onusienne lors des combats de samedi à Kidal continue de troubler le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En bref, et nous parlons de la Guinée-Bissau, les résultats provisoires de la présidentielle sont connus depuis cet après-midi. José Mario Bas du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert remporte le second tour de l'élection avec 61,90% des voix. Résultat publié aujourd'hui par la Commission nationale électorale. Mario Bas, 57 ans, était face à Nuno Gomes Nabian qui a obtenu 38,10% des suffrages. Le taux de participation s'élève à 78,21% et les deux candidats ont 48 heures pour faire des réclamations à la Cour suprême. Et toujours en bref, au Nigeria, des dizaines de morts dans un double attentat à Jos. Le marché de la ville a été pris pour cible. 46 morts effectivement aujourd'hui, en majorité des femmes, au Nigeria où l'état d'urgence a été prorogé dans le nord-est du pays. En Libye, l'armée divisée après l'attaque contre le Parlement, les forces spéciales, plusieurs officiers ont rejoint le général Khalifa Haftar, l'homme qui a pris la tête des combats contre les milices. La tension reste perceptible à Tripoli et les Libyens ne sont pas rassurés. La crise politique qui mine leur pays depuis des mois tourne à l'affrontement militaire. Ce quartier de la capitale a été bombardé à l'arme lourde dans la foulée de l'attaque menée contre le Parlement. Une action revendiquée par une force paramilitaire dirigée par le général à la retraite, Khalifa Haftar, qui a trouvé un nouvel appui. Nous autres des forces spéciales déclarons que toute atteinte à la nation et à ses concitoyens sera écrasée. Nous sommes avec la volonté du peuple et nous soutenons la bataille de la dignité menée par l'armée nationale libyenne avec tous nos hommes et toutes nos armes. Un coup dur pour l'armée régulière qui a déjà beaucoup de mal à ramener l'ordre et la stabilité. La dite armée nationale libyenne n'existe pas. Elle n'est pas légitime. C'est tout à fait contraire aux lois militaires. Personne ne peut s'autoproclamer chef de l'armée et diviser l'institution militaire. La Libye plonge dans la division et le chaos. Dans ce contexte explosif, plusieurs pays comme l'Arabie Saoudite et l'Algérie ont fermé leur ambassade et évacué leur personnel. Et puis on l'a appris aujourd'hui, la Libye devrait élire son nouveau parlement le 25 juin. Et pour clore cette édition, la Thaïlande, sous le coup de l'état d'urgence, l'armée a pris le contrôle de Bangkok. L'armée qui a également instauré aujourd'hui la loi martiale. Les médias ont été censurés. Une situation qui intervient dans ce pays qui connaît depuis des mois une crise politique et des manifestations antigouvernementales. Après des mois de crise politique et de manifestations antigouvernementales qui ont fait 28 morts, l'armée thaïlandaise a pris position mardi matin dans les rues de Bangkok. Mais l'armée se veut rassurante, l'instauration de la loi martiale ne signifie pas un coup d'État. L'armée a l'intention de restaurer la paix et l'ordre dans notre patrie bien-aimée aussi vite que possible. Par conséquent, nous demandons à toutes les parties de mettre fin à leur mouvement, de façon à enclencher rapidement le processus pour résoudre durablement les problèmes du pays. Nous invitons la population à ne pas paniquer et à continuer à vaquer à ses occupations normalement. Des soldats déployés en centre-ville, dans le secteur des hôtels et des chaînes de télévision, mais aussi en banlieue, près du camp des chemises rouges qui défendent le gouvernement. Depuis 1932, la Thaïlande vit au rythme des coups d'État, pas moins de 18 réussis ou tentés.
Le dernier en date, en 2006, avait eu raison de leur mentor, le milliardaire Thaksin Shinawatra, aujourd'hui en exil, mais dont l'influence sur les populations rurales du nord et du nord-est demeure intacte. De quoi rester sur la défensive. Si le chef de l'armée va au-delà de la loi martiale en faisant un putsch, ou s'il a l'intention d'aller contre la constitution et de ne pas agir selon elle, les chemises rouges n'auront d'autre choix que de se battre jusqu'au bout. Parce que nous sommes un mouvement démocratique et nous avons le devoir de maintenir la démocratie. Dans le camp des chemises jaunes installées devant le siège du gouvernement, l'instauration de la loi martiale est plutôt bien accueillie. La récente destitution de la première ministre Yingluck Shinawatra a laissé l'opposition soutenue par les élites royalistes sur sa faim. On espère venir à bout du clan Shinawatra. Dans un souci de coopération, nous suspendons toutes nos actions et après cela, nous évaluerons la situation. À l'issue d'une réunion entre l'armée et le gouvernement qui n'avait pas été informé de l'instauration de la loi martiale, le chef de l'armée thaïlandaise a invité les rivaux politiques à discuter, mais sans évoquer le renversement du gouvernement intérimaire qui, lui, appelle à des élections législatives le 3 août prochain. Ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.